Perdre une personne chère à nos yeux et à notre cœur n'est pas une chose facile à surmonter. Et Serge Lama ne peut pas dire le contraire. Le chanteur de Je voudrais que sois là a perdu non pas une, mais deux personnes qui ont été importantes dans sa vie. Serge Lama, de son vrai nom Serge-Claude Bernard Chauvier, a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Il a même été marié plus d'une fois. En fait, c'est alors qu'il a été marié à son attaché de presse Daisy Brun qu'il a rencontré celle qui allait devenir sa seconde épouse, Michel. Ils se sont rencontrés à Chamonix en 1969 grâce à un ami commun. Et bien que le chanteur soit déjà marié, il ne peut résister à la beauté de la jeune femme timide et discrète, au point d'en tomber éperdument amoureux. Quant à Michel, elle n'était pas non plus un coup de ses airs. Elle était également mariée et avait un jeune enfant. Mais tout cela ne les a pas empêchés de vivre une idylle passionnée, secrète et extra-conjugale pendant un certain temps. L'amour que Serge Lama ressentait pour la jeune femme était si grand et si intense qu'il tombe malade lorsqu'elle la laisse seule pour se rendre au Maroc. Une petite séparation douloureuse qu'il n'a pas manqué de mentionner à sa compositrice Alice Donna. Mais les deux tourtereaux ont fini par se retrouver quelques années plus tard. Ils ont même mis fin à leurs relations respectives, afin de pouvoir vivre leur belle histoire des amours sans plus se cacher. Ils ont officialisé leur union le 17 juin 1991, 10 ans après la naissance de leur fils Frédéric. Selon ce que le chanteur a expliqué dans son interview au magazine Paris Match, si au début Michel ne voulait pas entendre parler de mariage, avec le temps il a réussi à la dissuader. Ses 20 années, elle ne même avait jamais parlé de mariage. 1991, quand notre fils Frédéric avait 10 ans, je lui ai dit, « S'il arrive quelque chose, tu n'auras rien, tu seras complètement démuni. » Protégé. Elle ne voulait pas l'entendre, mais a fini par dire oui quand même, dit-il. Mais le couple avait une relation trop particulière. Ils ne vivaient pas sous le même toit pour préserver leur amour. Pour le fils de Georges Chauvier, Michel Potier n'était pas seulement sa femme. Elle était ma femme, ma mère et ma meilleure amie. Je lui avais également confié toute la gestion matérielle de ma vie, un domaine dont je ne connais rien, confie-t-il. Il ne lui a rien caché, même lorsque le chanteur l'a trompé avec des autres femmes. Je pensais naïvement que puisqu'elle me connaissait parfaitement, elle seule pouvait me comprendre. En lui faisant part de mes frasques, j'y avais l'impression de ne pas lui mentir, a-t-il avoué. Serge Lama est bien conscient du mal qu'il a fait à sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a jamais aimée.
Bien au contraire. Avec le temps et les années, leur amour se transforme en tendresse. Les liaisons et les amours qu'il a eus ont fini par ne pas les infecter, au point de lui permettre de vivre une idylle avec une autre femme tout en étant son épouse. Sans que le père de Frédéric puisse l'imaginer, un terrible drame survient dans leur maison de campagne de Romilly-du-Perche, dans le Loir-et-Cher. Quelques jours avant la sortie de son nouvel album, le septuagénaire apprend que sa femme, la mère de son fils, est de Sodi. Retrouvée morte par une personne venue effectuer des travaux d'entretien dans leur maison. Il a été révélé que Michel a rendu son dernier souffle à la suite d'une attaque cérébrale massive. Elle a été âgée de 71 ans. Elle m'a quitté brutalement, je n'arrive toujours pas à me remettre de ses morts, a déclaré Serge Lama à Paris Match. Le décès de sa femme est un véritable choc pour Serge Lama et sa famille. D'autant plus que, selon lui, elle n'était pas malade. Lama a connu des hauts et des bas dans sa vie. Il a perdu des personnes chères et irremplaçables. Fait, en plus du décès de sa femme Edry, le chanteur a dû surmonter une autre épreuve. Il s'agit du décès de sa fiancée Liliane Bonnelly. Femme qui est et déroule le 12 août 1965. Lui, son premier amour et le chauffeur Claude Grenassia étaient dans une voiture et ont eu un accident de voiture. Contrairement à lui, sa petite amie et le frère de Enrico Macias n'ont malheureusement pas survécu. Cet accident, qui lui rappelle la mort de ses parents, a marqué sa vie. Et même si beaucoup des eaux coulent sous les ponts depuis cette tragédie, le chanteur se souvient encore de ce qui est passé ce jour-là. Il se sent même responsable de la mort de sa fiancée. D'ailleurs, selon ce qu'il a déclaré sur le plateau de l'émission Vivement Dimanche de Michel Drucker le 31 octobre 2021, c'est moi qui insiste pour qu'elle soit la pianiste de l'émission avec Marcel Amont. Si je n'avais pas insisté, elle ne serait peut-être pas venue avec moi dans la voiture. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, où il avait été conduit après l'accident, un an plus tard, parce qu'il a été gravement blessé, Serge Lama a changé. Il était devenu un autre homme et ressentait intérieurement de la culpabilité. Toujours être fidèle à Liliane et était même devenu infidèle lorsqu'il était en couple avec Michel. Il souhaite que la mère de son fils Frédéric soit devenue pianiste comme son premier amour de cède. Accueil News People Serge Lama coupable de la mort de son premier amour. Les raisons.